On est présentement en Afrique. Priscille qui est là pour faire son tir. Je vais la laisser se placer en attendant. Donc, comment ça fonctionne quand on est ici du côté de Hélène? Ce qu'on va commencer par faire, c'est simple, c'est qu'on va faire notre première pratique de tir. Donc, avec notre guide, on va essayer les armes qu'il y a et ensuite, on va essayer les différents calibres puis on va valider pour savoir si le tir est bon. Donc, on s'en va faire un tir justement sur la cible qui est là-bas. On est tous là, donc tout le monde est là. Hein. C'est comme un petit peu le début, dans le fond, des activités. On commence avec ça, donc tout le monde me dit bye-bye en arrière. Donc voilà, on va avoir Priscille qui va tout d'abord essayer sa détente, qui va voir un petit peu la course de sa détente, voir à quoi s'attendre. Par la suite, elle va effectuer son tir. Je vais tourner la caméra pour que vous puissiez la voir. Par la suite, on va parler avec elle. C'est comme ta tica dans le fond. Perfect. Good job, Priscille. Yes, sir. Priscille, ça fait partie des étapes quand on arrive du côté d'Island Safari. Pour les filles, si des fois, ils ne sont pas sûrs parce qu'il y a différents calibres. Oui. Il y a possibilité d'en tirer différents selon les différents guides, mais il y a plusieurs carabines disponibles. Effectivement, il y a plusieurs carabines disponibles. Il y a des calibres beaucoup plus légers, 2.43, disons, pour ceux qui sont vraiment pas sûrs, mais les carabines sont tellement lourdes que le recul est... Ah oui, même si le calibre a de l'agro pour vrai l'année passée, puis Beverly vient d'en tirer. D'ailleurs, Beverly, c'était ton premier tir à la 3.38. Comment t'as trouvé ça? J'en veux d'autres. Fait que tu sais, je veux dire, c'est pas des calibres qui sont difficiles à tirer, c'est des armes qui sont lourdes, qui sont capables de prendre ce recul-là. D'ailleurs, là, on a Sylvie qui s'en va s'essayer. Sachez que Sylvie est photographe, n'est pas une chasseuse et n'a jamais tiré d'arme à feu. Elle fait son premier tir ici, aujourd'hui, en Afrique. Fait que je veux que vous puissiez voir ça. Je vais vous montrer aussi que c'est réalisable. Des fois, vous avez peur des armes à feu, vous avez peur du recul. Là, présentement, c'est Martin qui est en train de jouer le mentor avec elle. Faites-vous-en pas, on les assiste là-dedans. On est là avec vous autres, les guides sont là, l'équipe est là. Priscille et Pat sont toujours là quand vous venez ici avec nos groupes. Donc, il n'y a pas de stress là-dessus. On va filmer Sylvie, on va regarder son tir. On se couche un peu sa carabine, mais ça fait OK, comme ça. Oui. La clanche est là. Mets ton doigt à côté de la clanche comme ça, ça ne sert pas. OK. Mais là, mon épaule est de sa bonne place. Ça lance le doigt. On va lancer le doigt ou on peut couper. Comme ça, c'est correct. Ton épaule, là, ça devrait arriver comme. Comme ça. OK. Pour que ce soit vraiment comme dans le creux de la peau. OK. Tu t'es tué un peu sa clavicule comme il est tapé comme sur toi, puis ouais, exactement. Ça, avant son visage, tu vas aller voir. Je vois absolument rien. Tu regardes avec ça, là. Ah oui, je vois très bien. OK. Est-ce que c'est trop haut ou trop bas? Je baisserai une petite affaire. OK, c'est regarde ça. Là, je vais te le faire. Tu crois que c'est possible? Ok, oui, parfait. Comme ça? Ouais. Là, je vais te faire essayer juste pas de balle, que tu vois qu'est-ce que ça fait. Et reviens dans ton arme, il n'y a pas de balle dedans. Ok. Ça, c'est le fil. Ok. Là, il doit avoir un mouvement sur, la carabine pour que tu t'attires sur les pour pas qu'elle quand même pour pas qu'elle s'assoupe de tes mains. Là. Comme ça. OK. And I brought my Superman t-shirt.
c'est quand tu veux, ça, ça recule moins, puis elle fait pas beaucoup de bruit, il y a un silencieux dessus. Je sais pas, j'ai pas de... Oh, did she get the shot? Qu'est-ce que tu visais? Le milieu, vraiment le milieu. Middle one. Yeah! Yeah! Woo! Hey! Comment t'as trouvé ça, Sylvie? Vraiment trippant, là. Sérieux, là. Hein? Ouais, est-ce qu'on vient de te donner la piqûre officiellement? À suivre. Ouh! J'aime ça! C'est bon! Fait que c'est comme ça que ça fait côté de chez Hélène. C'est vraiment comme une belle famille. Tout le monde est là. Tout le monde se supporte. Tout le monde est ensemble. Hey, moi aussi, high five! Yes! Bravo! Ah, oh, je suis fière de toi. Ben oui, moi aussi, je t'ai émue. Ben, tout ému. Non, mais c'est ce qu'on veut puis c'est ce qu'on recherche. Hélène Safari, c'est aussi ça. On est avec vous autres. On vous assiste du début à la fin. J'espère sincèrement que vous allez avoir suffisamment la piqûre avec ce tournage-là, avec cette gang-là qui est avec nous autres pour nous suivre l'année prochaine, parce que oui, il y a des groupes l'année prochaine. Vous allez devoir réserver rapidement, parce que j'ai comme l'impression, je suis tout émotive moi aussi. Ouais, j'ai comme l'impression que vous allez être une gang à vouloir vivre ça. Donc, continuez de nous suivre toute la semaine du côté de Hélène Safari.